Il s'en va en direction Darwin. Voilà, tout ce joli monde s'en va du côté de Darwin. Et la planète dans laquelle on vit. Parce que les entreprises sont encore un petit peu sensibles à leur image. C'est une action symbolique qui n'a peut-être pas forcément une immense portée, mais ça permet déjà de montrer, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des entreprises derrière le changement climatique, qu'il y a des personnes morales, et dans ces personnes morales, il y a des personnes physiques, et qu'on peut cibler des gens pour avoir des leviers d'action concrets. Donc pour l'instant, c'est une action symbolique. Mais qui sait, plus tard, ce sera du boycott, qui sait, plus tard, ce sera les syndicats au sein des entreprises qui vont aussi s'organiser, se dire, en tant que salariés organisés dans ces entreprises, on a une responsabilité à agir. Et on peut le faire parce qu'il y a un soutien de la population. Donc cette action-là, qui est symbolique, vise à faire monter la pression pour que tout le monde prenne conscience de l'enjeu qu'il y a derrière ces grandes multinationales. Cette action elle a été organisée par le collectif qui a mis en place la marche. Il y a des personnes qui viennent de plein d'organisations différentes, il y a même des gens qui ne sont dans aucune organisation, qui simplement veulent se mettre à agir. Et on a repris une campagne qui a été lancée par Action Non-Violente COP21, qui est une organisation qui a été créée par COP21. On a repris cette campagne parce qu'il faut qu'elle se diffuse partout. C'est le collectif qui a organisé la marche qui a organisé cette action. Le collectif fait un arrêt symbolique devant la Société Générale pour dénoncer la Société Générale de sa participation financière à coût de milliards, entre autres soutien le terminal de Texas aux États-Unis et à Rio Grande l'extraction de gaz de schiste et de pétrole. Elle est responsable du dérèglement climatique, alors oui, un arrêt s'impose devant la Société Générale, même s'il est symbolique, elle a une lourde responsabilité, la Société Générale et également la société BNP Paribas. Le collectif continuera leurs actions contre ces deux sociétés générales et également Paribas. Elles sont impliquées lourdement devant le dérèglement climatique. Voilà, on change. Allez, les prochains, on change, on tourne.